Deuxième webinaire Unicalo sur le sujet du référencement local. Je suis Antoine de la société Eldo Travaux et par Jennifer que vous voyez tout en bas de chez Unicalo et que vous ne voyez pas, Alexandre, mon collègue, qui pourra également répondre dans les différents outils de l'interface, dans le chat, les questions, mais je vais revenir dessus juste après. Bienvenue encore à tous. Vous êtes une petite trentaine de présents pour l'instant. On attend une 50, 70 personnes. Avant de commencer, ce que je vous propose, c'est de vous réexpliquer simplement comment fonctionne l'outil. Donc, tout d'abord, sachez que seuls Jennifer et moi-même sommes enregistrés, filmés et vous pouvez nous entendre. Nous ne pouvons pas vous entendre, nous ne pouvons pas vous voir. Par contre, ce webinaire est donc enregistré. Vous recevrez à la fin le replay si vous voulez le revoir ou si vous avez eu un appel important, un client qui cherchait à vous joindre. N'hésitez pas à décrocher parce que vous pourrez reprendre en cours et dans tous les cas, vous aurez le replay à la fin. Étant donné que vous ne pouvez pas parler ou qu'on ne peut pas vous voir, pour interagir avec nous, premier onglet en haut à droite, l'onglet chat. Que vous voyez, donc déjà certains d'entre vous ont commencé à nous souhaiter la bienvenue, à dire bonjour. Je suis en train de le faire en même temps. Donc n'hésitez pas à l'utiliser pour échanger pendant la présentation. Je vous ferai un petit peu réagir aussi sur ce que vous verrez. Donc vous pourrez également me donner votre avis par rapport à ce que je présenterai. Ensuite, pour toute question, je vous invite à utiliser l'onglet questions. Pourquoi? Alors, s'il y en a un déjà parmi vous qui peut poser une première question, qu'elle soit vraie ou pas, ça va me permettre de vous montrer comment ça fonctionne. Alors, allez-y, on va voir qui va être le premier. Quelqu'un? Personne? Alors, pourquoi c'est important d'utiliser l'onglet questions? Ça me permettra à la fin de ce webinaire de reprendre toutes les questions, pouvoir voir par ordre d'importance. Super Magali, bonjour Magali, ça va très bien, merci, merci à vous, j'espère que vous aussi ça va. Jean-Yves, déconfiné en partie, en tout cas moi je suis dans un département vert, je pense comme un certain nombre d'entre vous. Donc juste pour vous montrer, vous pouvez poser vos questions ici, si vous avez une question que vous voulez poser, vous pouvez la poser et vous pouvez surtout interagir. Vous avez une question qui vous intéresse aussi, bah vous pouvez sur la petite flèche à droite voter pour dire que cette question vous intéresse. Je vois que Julie a demandé sur un des webinaires, n'avait pas reçu le replay, donc n'hésitez pas à nous redemander si vous les avez pas. Ça peut tomber dans les spams également. Donc je vous invite à utiliser l'onglet questions pour poser toutes vos questions. Et s'il y en a pendant la présentation, Alexandre également m'indiquera vos questions pour pouvoir les répondre en spontané. Si c'est possible. Enfin, vous verrez un troisième onglet à côté de questions, l'onglet sondage. On souhaite organiser un autre webinaire probablement fin mai. Cette fois-ci, le thème sera sur les réseaux sociaux. Comment vous aider à utiliser les réseaux sociaux pour augmenter votre activité et développer votre activité. Donc, je vous invite tous. Plus vous serez nombreux à répondre, plus on arrivera à répondre à vos attentes pour voir quel est le moment le plus propice pour vous. Pour pouvoir assister à des webinaires. Je sais que ce n'est pas évident. Entre les rendez-vous clients, les devis, les factures, gérer vos équipes. Voilà, donc n'hésitez pas à nous dire s'il y en a vraiment un créneau qui vous intéresse le plus, que ce soit un jour ou un horaire. Allez-y, ça nous aidera pour la suite, pour pouvoir organiser au mieux les webinaires, pour que vous soyez présents. Alors, je vois que ça interagit, c'est parfait. On va pouvoir commencer. On laisse une petite minute avant de démarrer. Une fois que j'aurai que l'on va pouvoir démarrer, je représenterai rapidement l'outil et puis on sera parti pour une petite heure ensemble. L'heure sera décomposée, on va dire, en une demi-heure, 40 minutes maxi de présentation de ma part. N'hésitez pas à poser des questions ou à réagir. S'il y a des questions, on essaiera d'y répondre en même temps. Et sinon, ça nous laissera 15-20 minutes pour pouvoir répondre à vos questions à la fin. Et puis pouvoir vous souhaiter ensuite une bonne soirée pour pouvoir chacun repartir à ses occupations. Parfait. Ce que je vous propose, c'est qu'on démarre. Avant d'aller sur la présentation, un petit rappel pour ceux qui nous ont rejoints.
Vous n'êtes pas filmé, on ne vous entend pas, seulement Jennifer, Alexandre et moi-même sommes filmés et sommes entendus. Pour interagir avec nous, le chat en haut à droite pour pouvoir réagir à tout ce que vous verrez. Si vous avez des questions, juste à côté, l'onglet questions, j'insiste, mais utilisez-le au maximum. Nous, ça nous permet vraiment de prioriser les réponses si on voit que plusieurs personnes sont intéressées par une question et surtout par la réponse. Ça sera plus simple pour répondre au plus grand monde. Et je finis par le sondage, très important pour nous. On l'a vu avec cette période de confinement, que les webinars étaient des outils assez intéressants à utiliser, sans que ce soit trop long, sans que ça vous prenne trop de temps. Vous pouvez vous connecter, vous déconnecter s'il y a un appel, un rendez-vous qui est prévu, mais vous pouvez y assister en partie. Donc n'hésitez pas à y répondre, hein. L'objectif, c'est simplement de savoir c'est quoi le jour et ou l'horaire les plus adaptés pour que vous puissiez participer à des sujets qui vous intéressent. Merci à tous. Je vous dis à tout de suite. Nous sommes un peu plus de 35 à date, Stéphane, pour l'instant. Ça continue à monter. J'espère que l'on va dépasser les 40, voire les 50. Donc, je vous souhaite à tous un bon webinaire. Et c'est parti, je partage mon écran pour pouvoir démarrer. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, l'objectif de cette heure, c'est de vous montrer comment vous pouvez multiplier par deux votre référencement local Google. Ce webinaire est organisé en partenariat avec Unicalo, fabricant de peinture. Je laisserai Jennifer présenter tout à l'heure Unicalo qui ils sont. Et puis j'en profiterai également pour présenter donc elle d'autres travaux et me présenter très rapidement pour ensuite enchaîner sur le webinaire. Jennifer, je te laisse la parole pour présenter Unicalo. Ouais. Bonjour à tous. Du coup, bienvenue sur ce deuxième webinaire. Ravie de vous proposer cette solution digitale, on va dire. C'est ce dont on va parler d'ailleurs aujourd'hui avec Antoine. Donc, partenaire Unicalo Eldo Travaux hein, depuis quelques années maintenant. On est ravis de pouvoir vous proposer ce genre de discours et d'informations et voilà pour vous aider aussi à être plus visible partout hein, sur la toile là c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc pour tous ceux qui ne nous connaissent pas, je vais y arriver. Unicalo est un fabricant de peinture bâtiment, le premier fabricant de peinture bâtiment français basé sur la Nouvelle-Aquitaine, plus précisément sur Mérignac. C'est une entreprise familiale et qui fabrique et qui conçoit, on va dire, puisqu'on a un laboratoire recherche et développement, toutes les peintures intérieures, façades, sol, voilà, de nombreuses peintures, plus de 1000 références, 1100 références aujourd'hui, et qui la distribue sur toute la France sur un réseau de distribution qui s'appelle Nuance Unicalo, dont certains sont connectés aujourd'hui, mais aussi sur une partie d'indépendants et d'adhérents. Voilà, donc ravi de vous voir, ravi de pouvoir vous répondre sur le chat. Et bon webinaire à tous. Et à la fin de ce webinaire, on pourra répondre à toutes vos questions. Voilà, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Vas-y Antoine, à toi. Merci Jennifer. Donc rapidement, je présente Eldo Travaux. Eldo Travaux, donc on est une société qui accompagne les entreprises du bâtiment à se développer, notamment à travers des solutions de réputation en ligne, de gestion de votre fiche Google My Business et d'avis clients et de diffusion de ces avis-là. Aujourd'hui, on accompagne plus de 1000 entreprises et 25 partenaires industriels comme Unicalo ou réseaux d'entreprises sur toute la France, basés à Toulouse avec différents bureaux, Bordeaux, Marseille, Lyon, Paris et Nantes, où moi, je suis présent. Pour me présenter rapidement, donc Antoine, Société Eldo Travaux, je suis le responsable du partenariat avec Unicalo. C'est dans ce cadre-là que je vais vous faire part de notre expertise sur Google notamment. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir au menu? Tout d'abord, quelques grands chiffres sur Google, la recherche Google, incontournable. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais l'objectif, c'est de vous montrer un petit peu c'est quoi, c'est qui Google. Ensuite, c'est de vous présenter votre fiche Google My Business.
Qu'est-ce que c'est? Vous êtes tous appartenant à une entreprise, gérant, salarié d'une entreprise. Chaque entreprise peut avoir sa fiche Google My Business. Je vais vous présenter comment ça fonctionne pour ensuite terminer sur quelque chose de vraiment concret. Comment, dès ce soir, vous pouvez optimiser votre profil si vous décidez de passer un petit peu de temps dessus. Comme je l'ai dit, on est parti pour une demi-heure, 40 minutes. On prendra le temps à la fin de répondre à toutes vos questions et réponses. Il nous restera 15-20 minutes. N'hésitez pas à les poser pendant la présentation. Alex est là pour m'indiquer vos questions, même si moi, je ne les vois pas, pour pouvoir y répondre pendant la présentation. Alors, quelques chiffres pour commencer sur Google. Aujourd'hui, Google, c'est plus de 120 000 milliards de pages qui sont référencées par Google. C'est colossal. Même moi, enfin, honnêtement, 120 000 milliards, j'arrive pas à imaginer ce que ça peut représenter. N'hésitez pas à réagir par rapport à ce chiffre-là ou les autres chiffres que vous voyez dans le chat. Si ça vous surprend, si vous êtes surpris parce que c'est beaucoup trop, si c'est pas assez, si vous pensiez qu'il y en avait beaucoup plus. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est ce chiffre-là, 120 000 milliards. Alors qu'on soit d'accord ou pas avec Google, hein, l'objectif de cette heure, ça va pas être de dire je suis pro Google ou je suis anti Google. Ça va être simplement avec les chiffres qu'on voit là. Aujourd'hui, par mois, c'est 167 milliards de recherches qui sont faites par ce moteur de recherche, sur ce moteur de recherche. C'est 94% des recherches qui sont effectuées sur Google en France. Donc clairement, aujourd'hui, vos prospects, quand ils font une recherche, ils vont passer, dans la grande majorité des cas, via Google. Et surtout, c'est 90% des clics qui sont effectués. Alors, je vous laisse essayer de terminer la phrase. À votre avis, 90% des clics qui sont effectués sur quoi? Est-ce que c'est sur Google? Est-ce que c'est sur les 5 premières pages de Google? Est-ce que c'est sur les 2 premières pages de Google? Est-ce que c'est sur la première page de Google? Est-ce que c'est sur les 6 premiers liens? Allez-y, interagissez sur le chat. Dites-moi ce que vous en pensez et je vous donne la réponse dans, 10 secondes. Alex ou Jennifer, n'hésitez pas à me dire s'il y en a qui s'approchent de la réponse ou des réponses. Je ne les vois pas sur le chat. À votre avis, alors, 90% des clics sont effectués sur quoi? Ça commente. Hein. Super. Alors, la réponse… Trois premiers liens Google pour Magali Cabioche. Alors, on y est presque. On est sur la première page Google. Si vous aviez un corps à cacher d'un point de vue numérique, j'ai envie de dire, placez-le en deuxième page Google et globalement, vous allez être tranquille. Voilà. L'idée, c'est simplement de vous dire… Et comme je l'ai dit en préambule, c'est pas de dire je suis d'accord avec Google ou je suis pas d'accord. C'est un autre débat. C'est juste de dire aujourd'hui comment en faire son allié, puisque il a, on peut parler quasiment de monopole. Quand 94% des recherches en France sont faites sur Google, je pense qu'on peut parler de monopole. Donc c'est vraiment de se dire c'est un incontournable. Comment moi, avec mon entreprise de peinture de façade, je peux l'utiliser, l'exploiter pour que ça en devienne une force. Alors, avant de répondre à ça, quel est le but de Google aujourd'hui? Aujourd'hui, il a pas mal évolué sur ces dernières années. Avant, quand vous tapiez, par exemple, et que vous recherchiez le dernier résultat, par exemple, de Ligue des Champions, Dortmund-PSG, il vous proposait différents liens, et notamment le lien de l'équipe. Vous alliez sur l'équipe, vous aviez un peu la réponse à votre question. Aujourd'hui, Google, son objectif, c'est qu'on l'utilise au maximum et qu'on évite de sortir de sa page. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Maintenant, il propose, par exemple, quand on tape Paris Dortmund, directement d'afficher le dernier résultat ou les deux derniers résultats. Le résumé vidéo qu'il y a sur YouTube, par exemple, qui lui appartient. L'objectif, c'est vraiment d'essayer de répondre à la question de l'internaute directement par Google plutôt que d'aller sur un site tiers. De la même chose, vous faites une recherche de vol, il vous présente son propre comparateur et ensuite, vous allez aller sur les sites si vous voulez aller plus loin. Mais c'est lui qui va vous donner l'info. Donc, l'objectif, c'est vraiment quand on est internaute et qu'on utilise Google, pour Google, c'est de vous garder le plus longtemps possible sur sa page. Donc, l'objectif pour vous, ça va être d'utiliser ce raisonnement-là pour pouvoir exploiter les outils que Google vous met à disposition pour être en première page, pour apparaître le plus possible. Alors, vous me direz, OK, mais moi, dans le bâtiment, peu d'intérêt ou en tout cas… je ne vois pas trop ce que ça peut m'apporter. Alors aujourd'hui, il y a une étude de la FFB
qui montrent une évolution significative sur ces deux dernières années. La question est simple auprès des particuliers. Ça a été de leur demander comment vous cherchez une entreprise du bâtiment aujourd'hui quand vous avez un projet de travaux. Encore en 2017, les trois quarts disaient en un le bouche à oreille. Donc le bouche à oreille, je demande à mes collègues, à mes voisins, à mes amis, à ma famille, s'ils ont fait appel à un peintre récemment ou ah bah tiens, tu avais fait ton salon, c'est qui t'avait fait la peinture de ton salon parce que j'ai envie de le faire, et puis c'était sympa chez toi. Donc là, c'était les trois quarts en 2017. Et en 2017, toujours, c'était 12%, donc un peu plus d'un Français sur 10 qui disait je vais chercher sur Internet. En 2 ans, le bouche à oreille classique est descendu. C'est toujours la première réponse. On a la moitié des Français qui disent chercher d'abord via du bouche à oreille. Hein. On est plus facilement rassuré dans tous les cas quand on demande à quelqu'un qu'on connaît. Mais aujourd'hui, un tiers des Français, même un peu plus d'un tiers des Français, font la recherche directement sur Internet. Alors, n'hésitez pas à réagir sur ces chiffres-là. Je ne sais pas pour votre entreprise si c'est le cas, si vous avez senti cette évolution-là, ou au contraire, c'est encore 80% de bouche à oreille, ou c'est peut-être passé à 50% via Internet. N'hésitez pas à nous dire dans le chat. Ça m'intéresse de savoir un peu vous, comment ça se passe. Et les autres sources qui n'ont pas évolué, alors les autres sources, c'est quoi? C'est vous faites une pub 4x3, votre camion a les coordonnées de l'entreprise, le logo, vous avez fait un flocage sur votre camion, vous avez un encart dans le magazine local ou le journal local, peut-être que certains ont fait de la pub à la radio, je sais que certains le font, vous participez éventuellement à des salons. Voilà, c'est ça qu'on va classer dans autres sources. Donc, n'hésitez pas à réagir. Mais voilà. Donc, on voit d'un côté Google, un incontournable sur la recherche. La majorité des particuliers passent par Google. Et on voit que dans le bâtiment, il y a une évolution. Quand on cherche une entreprise, on va aller se renseigner sur Internet et on va chercher par Internet. Alors, qu'est-ce qui a changé d'autre? Depuis plusieurs années, je pense que vous l'avez vu, de plus en plus de partenaires, de prestataires vous proposent d'apparaître sur leur site, d'avoir une page dédiée sur le site, de vous la créer, de la faire, de l'administrer ou de vous laisser faire, peu importe. Et en fait, aujourd'hui, c'est une réalité. Aujourd'hui, votre site seul ne suffit pas à vous générer des contacts, en tout cas aujourd'hui. D'autres sites ont réussi à être un peu plus haut en termes de référencement et de classement et vont vous permettre de générer d'autres sites. Donc moi, si j'avais un conseil à vous donner, c'est si vous êtes présent sur d'autres sites, bah déjà, c'est très bien. Si vous ne l'êtes pas, n'hésitez pas. Beaucoup vous proposent des pages gratuitement, juste de référencer votre entreprise. Donc n'hésitez pas, on en parlera tout à l'heure. Parce que sachez qu'aujourd'hui, Google a fait le constat que 7 fois de plus de contacts sont générés par des sites tiers plutôt que par votre propre site web. Alors, quand je fais une recherche, Google, vraiment n'hésitez pas avec les questions, hein, parce que je vais peut-être un peu vite, c'est vrai que moi je suis habitué sur ce sujet-là, mais si vraiment je vais trop vite, n'hésitez pas à interagir via le chat et à me dire. Hein. Aujourd'hui, quand un internaute fait une recherche sur Google, il va y avoir 3 résultats. Important, de plus en plus de particuliers utilisent le téléphone pour faire leur recherche. C'est pour ça que je vous ai montré aussi à quoi ça ressemblait directement sur le téléphone, puisque l'ordre est le même sur le téléphone comme sur ordinateur ou sur tablette. En 1, on va avoir ce qu'on appelle le SEA, ou référencement payant. Qu'est-ce que c'est? Là, typiquement, bon, étant basé à Nantes, j'ai fait la recherche peintre en bâtiment à Nantes. Bah aujourd'hui, on va avoir la notion d'annonce, si vous voyez ma souris. Ça veut dire simplement que cette société, ce site-là, achète peut-être le mot-clé peintre ou le mot-clé complet peintre bâtiment à Nantes à Google. Il a dit, bah voilà, quand un internaute fait cette recherche-là, moi, je suis prêt à mettre 20 centimes pour chaque personne qui cliqueront sur le lien que tu feras apparaître en tant que Google sur la recherche. Moi, je suis internaute, je clique dessus. Eh bien, dans ce cas-là, ce site-là, travaux.com, par exemple, qui était là, va payer 20 centimes. Et Google, pour faire sortir les premières entreprises, il va aller voir les enchères. Il va aller voir les entreprises qui ont mis le plus d'argent et qui ont mis la plus haute enchère. Voilà comment ça fonctionne. Ça sera pas l'objet du webinaire d'aujourd'hui. On n'est pas là pour parler du référencement payant. Mais s'il y en a parmi vous qui le font, n'hésitez pas à nous le dire, juste pour information. C'est toujours intéressant de savoir si vous utilisez cette partie payante. Le deuxième résultat, c'est ce qu'on appelle le SEO,
Référencement local. Google a donc mis en place les fameuses fiches Google My Business. Donc, c'est toutes les fiches entreprises Google qui sont référencées par Google. Google va donc aller voir, en fonction de la recherche, peintre en bâtiment à Nantes, quelles sont les fiches les plus pertinentes à ressortir pour pouvoir faire apparaître les trois premières ou les quatre premières. L'objet du webinaire d'aujourd'hui, c'est de vous montrer comment arriver à sortir parmi ces premiers résultats. Le troisième résultat, c'est le SEO référencement naturel. Cette fois-ci, je vous rappelle, 120 000 milliards de pages Google. Google va aller scruter toutes ces pages et en fonction de la recherche, il va aller dire c'est celle-ci que je mets en premier, c'est celle-ci que je mets en deuxième. On va en parler un petit peu pendant ce webinaire parce que le référencement local est naturel. Il y a quelques clés de succès pour apparaître un peu plus haut qui sont communes. Mais on va se concentrer donc sur cette deuxième recherche, comment faire pour vous faire apparaître le plus haut possible en référencement local. Alors, Google My Business, c'est quoi une fiche Google My Business? Ça vous sert à quoi? Déjà, ça vous permet tout simplement, en tant qu'entreprise, de regrouper toutes les infos sur votre société. Où est-ce que vous êtes situé? Qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre zone de chalandise? Quels sont vos horaires pour vous contacter, éventuellement venir vous voir si vous avez un showroom ou un magasin? Comment on vous contacte? Quel site web? Quel numéro de téléphone? Quel formulaire de contact? C'est un endroit mis à disposition par Google gratuitement pour pouvoir référencer votre entreprise. La deuxième chose, et je le montrerai tout à l'heure, quand un internaute fait une recherche, de base, Google va aller utiliser la position de l'internaute pour savoir où il est situé. Ça va lui permettre, et on le verra juste après, en fonction de la localisation, de se dire c'est pertinent ou pas de ressortir telle ou telle entreprise. Ce qui est important, c'est que le Google My Business, c'est disponible pour toutes les entreprises. Que vous soyez une petite, une grosse entreprise, peu importe la taille, que vous ayez un site web ou pas, vous pouvez utiliser votre fiche Google My Business. C'est vraiment disponible pour tout le monde, tout corps d'État, tout métier, et même en dehors du bâtiment, hein, c'est très connu côté restauration notamment. Mais aujourd'hui, ça devient un incontournable, c'est mis à disposition gratuitement. Moi, je vous invite vraiment à l'utiliser. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'avoir une vitrine supplémentaire sur la toile et surtout d'exploiter le moteur de recherche numéro 1 et d'en faire son allié pour qu'il puisse vous faire ressortir le plus haut possible. Grâce à la vitrine, vous pouvez ajouter des photos, vos clients peuvent mettre des avis, vous pouvez y répondre, vous pouvez mettre des posts, parler de promos que vous auriez en cours, parler de, je sais pas, une porte ouverte, un salon auquel vous participez, souhaiter, c'est bientôt la fête des mères, souhaiter une bonne fête des mères à tout le monde. Voilà, il vous met à disposition cet outil-là pour pouvoir être visible sur les recherches Google. Alors, comment ça fonctionne pour pouvoir ressortir? Alors, il y en a peut-être parmi vous là qui disent, bon, il est bien sympa, mais il parle un peu de théorie. Je vous rassure, on va très vite voir comment ça marche. N'hésitez pas à réagir, mais c'est volontaire de ma part. D'abord, comment ça marche? On l'a vu, la distance. L'internaute est géolocalisé. Vous pouvez mettre l'adresse précise de votre entreprise et la zone d'intervention. À partir de là, Google fait son petit travail, il analyse ça, il vous ressort en fonction déjà du critère de distance. Là-dessus, j'ai pas grand conseil à vous donner. Hormis de bien mettre à jour votre zone de chalandise, mais votre adresse, vous n'allez pas pouvoir la dupliquer. Vous n'allez pas ouvrir plein de succursales. Donc voilà. Donc ça, c'est quelque chose. Vous aurez pas trop d'action à mener. En deux, le point important, ça va être la pertinence. Et ça se décompose en trois. Alors je vais commencer par le terme un peu le moins barbare, mais vous verrez, les deux autres termes sont très simples. Contenu et fréquence. Je reviens un tout petit peu en arrière. Google, qu'est-ce qu'il souhaite? Il souhaite qu'on l'utilise. Si j'irais plus loin, je pourrais presque dire il a envie qu'on l'aime. Bon, c'est pas l'objet, mais en tout cas, utilisez-le. Et comment il va le mesurer? Bah, c'est de voir est-ce que vous avez bien mis à jour votre fiche Google My Business? Est-ce qu'il y a du contenu de pertinent? Est-ce que vous avez bien mis une description? Est-ce que vous mettez des posts régulièrement? Est-ce que vous mettez à jour vos horaires? Voilà, c'est ça, le contenu et la fréquence. L'objectif pour Google, c'est de voir que vous l'utilisez régulièrement. Est-ce que vous ajoutez des photos aussi? Voilà, c'est tous ces points-là qui englobent le contenu et la fréquence.
Ensuite, on a un nom très barbare, NAP Consistency, mais qui est très simple à comprendre. On l'a vu, Google a indexé plein de pages, 120 000 milliards. Sur la fiche Google My Business, vous allez pouvoir mettre des infos, le nom de votre entreprise, le numéro de téléphone, votre site web et votre adresse postale. Qu'est-ce que va faire Google? Il va aller voir ces quatre infos-là et il va voir s'il les retrouve sur d'autres sites. Et surtout, il va aller vérifier que c'est bien les mêmes infos qui sont mises, qu'on a bien le même numéro, que c'est bien le même nom d'entreprise, que c'est bien le même site web, c'est bien la même adresse. Il n'y a pas un moment sur un des sites mis zone artisanale et sur l'autre deux rues de l'école, par exemple. Voilà. Si tout ça concorde, bah, il va juger pertinent de vous faire ressortir. Et puis enfin, le troisième point, c'est les backlinks. On verra, Google My Business vous permet de mettre des liens, soit des liens de prise de rendez-vous, soit des liens vers des produits spécifiques que vous pouvez vendre. Donc, n'hésitez pas à utiliser les liens, à les mettre pour pouvoir être référencé un peu mieux. Et si sur ces liens, en plus, c'est en lien avec votre métier, bah, Google va juger ça encore plus pertinent. Typiquement, pour ceux qui sont déjà clients, par exemple, des magasins soit Nuance Unicalo, soit d'un magasin distributeur indépendant, bah, ça peut être intéressant de mettre que vous fournissez chez lui parce que Google va juger pertinent de voir qu'il y a un site dédié à ce métier-là en plus qui est référencé et donc ça va améliorer la pertinence. Le dernier point, la réputation. C'est quoi la réputation? Ça se décompose en deux points. Là, pour le coup, Google va aller voir la réputation de votre site web. Donc, si vous en avez un, ça sera un plus. Il va aller voir la pertinence de votre site, le contenu. Est-ce qu'il est structuré de la même façon que Google l'attend, on va dire. Est-ce que le contenu et la fréquence des mises à jour du site sont régulières? Voilà. Est-ce que ça parle de peinture? Est-ce que ça parle de façade? Est-ce que ça décrit bien votre métier pour que derrière, quand un internaute fait sa recherche, il puisse juger pertinent de l'afficher ou pas. Donc, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est les avis. Comme je l'ai dit, Google vous permet, grâce à cette fiche, et permet à vos clients de déposer un avis. Au-delà de la note, Google, ce qu'il va regarder, bah, de la même façon que la pertinence, le nombre d'avis, la fréquence de dépôt d'avis et votre réactivité en termes de réponse d'avis, qu'il soit positif ou négatif. Plus vous serez réactif, plus ça sera pertinent pour Google de vous afficher parce que, encore une fois, je le redis, mais en analysant ça, Google se rend compte si oui ou non vous l'utilisez. Et si vous l'utilisez, bah, c'est bénéf pour lui. Donc, il se dit, c'est bien, je peux les mettre en avant puisque c'est un peu du gagnant-gagnant, on va dire. Voilà un petit peu comment marche l'algorithme. Et surtout, maintenant, on va juste regarder très rapidement pourquoi Google s'auto-félicite de cet algorithme-là et pense de lui-même qu'il a raison. Déjà, Google s'est rendu compte sur les deux dernières années que quand on fait une recherche de proximité, alors c'est quoi? C'est typiquement peintre en bâtiment Nantes. J'ai mis une localisation, je recherche un endroit précis. Ces recherches-là ont été multipliées par 3 sur les deux dernières années. Donc, les internautes vont dans ce sens-là. Donc, Google, pour lui, en tout cas, a raison de faire ça. De plus, pour ceux qui ont des points de vente, il s'est rendu compte que si la fiche Google My Business était complète, le point de vente avait 38% de chances de plus de recevoir un rendez-vous physique. Alors, avec la période qu'on vit actuellement, je ne sais pas ce que ça va donner réellement les rendez-vous physiques. Je ne sais pas comment vont réagir les particuliers. Mais il y a un troisième point qui est hyper intéressant pour vous, c'est les photos. Aujourd'hui, Google se rend compte que si vous mettez des photos sur votre Google My Business, vous avez 40% de chances d'être plus visible et que votre fiche soit visitée par un internaute. Donc, il se dit avec ses grands chiffres qu'il a raison de raisonner comme il raisonne et que son algorithme est bon. Et le dernier point sur lequel ça le conforte dans l'idée, c'est les recherches qui ont été faites dans l'habitat sur entre 2018 et 2019. Alors, je vais juste distinguer deux types de recherches. Recherche indirecte, typiquement recherche indirecte, peintre en bâtiment Nantes, est une recherche indirecte. Je n'indique pas de nom d'entreprise ou de fiche directement. Si j'avais tapé, par exemple, j'ai en tête un,
un partenaire à nous qui est aussi client d'un magasin de Nuance Unicalo, Biguet et Fils, par exemple. Si je fais cette recherche parce que le copain d'un voisin que je connais peu a fait appel à lui et mon voisin m'en a parlé, bon, bah, je vais peut-être aller chercher sur Internet. Et donc ça, c'est une recherche directe puisque le nom de votre entreprise est directement mis dans la recherche. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir sur ces recherches-là, c'est qu'au global, ces recherches ont été multipliées par deux dans l'habitat entre 2018 et 2019. On passe de 260 000 à peu près recherches à quasiment 480 000 recherches par an autour de l'habitat. La deuxième chose, c'est que votre fiche Google My Business permet aux internautes de faire différentes actions. Ils peuvent demander un itinéraire directement, ils peuvent cliquer pour aller sur votre site web et ils peuvent vous appeler. Et là, je prends ce chiffre-là en dernier qui est le plus parlant. Moi, le premier, quand je vais chercher une entreprise, quel que soit le métier, je fais ma recherche sur Google plutôt que d'aller taper. Déjà, je la fais souvent sur mon téléphone. Je suis plus connecté sur mon téléphone que sur l'ordinateur dans leur boulot. Et de deux, je peux cliquer en un clic. Le numéro est composé, ça appelle, c'est tellement plus simple. Et donc, pareil, il y a deux fois plus d'appels téléphoniques qui sont passés grâce aux fiches Google My Business entre 2019 et 2018. Donc voilà un petit peu le tableau que je voulais vous dresser sur Google, comment fonctionne une fiche Google My Business. Je leur dis, je ne suis pas là pour dire Google a raison ou Google a tort. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est simplement de vous faire prendre conscience que ça va être important d'en faire un allié, parce qu'on voit bien que les internautes sont en train d'évoluer. Et que ce qui met à disposition, ce qui vous met à disposition gratuitement, est utile. Alors concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et là, on va voir 8 points précis sur votre fiche Google My Business. Donc pour ceux qui se posaient encore la question, c'est quoi une fiche Google My Business concrètement? Bah, c'est cette fiche-là qui apparaît à droite des résultats de recherche ou sur la fiche Google Maps ou sur la carte Google Maps. C'est ça, une fiche Google My Business. Et puis on va aller voir tout de suite les 8 points, comment vous pouvez concrètement prendre en main votre fiche Google My Business. Alors, un, pourquoi c'est important de reprendre la main sur votre fiche? Premier cas, personne gère la fiche. Google a vu qu'il y avait une entreprise parce qu'il a été voir ce qu'il y avait dans PageJaune, dans société.com et dans d'autres sites, et il s'est rendu compte que l'entreprise existait. Là, typiquement, je suis sur une entreprise. J'ai fait la recherche, le nom de l'entreprise, vous pouvez mettre la ville en plus de votre société, le nom de votre société, et vous voyez si votre fiche apparaît. Si votre fiche apparaît et que vous voulez voir si quelqu'un la gère ou pas, si vous ne le savez pas, bah, vous cliquez sur vous êtes propriétaire et vous voyez ici par exemple, personne ne gère cette fiche. Donc, vous cliquez sur gérer. Pour le faire, il faut avoir un compte Google, pas forcément d'adresse Gmail, je le précise, un compte Google avec une adresse mail, peu importe l'adresse mail. Vous remplissez les deux, trois informations et à partir de là, Google va vous envoyer un courrier postal, donc attention, sous 10 jours avec un code pour que vous puissiez reprendre la main sur votre fiche. Ça, c'est le premier cas de figure. Personne ne gère votre Google My Business. Deuxième cas de figure. Ici, bah, je reprends l'exemple que j'ai cité tout à l'heure, Biguet et Fils à côté d'Angoulême. De la même façon, je reclique ici sur vous êtes propriétaire de cet établissement. Et là, on va se rendre compte que quelqu'un gère déjà la fiche. Alors, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre parce qu'à un moment donné, vous avez demandé à quelqu'un de la gérer pour vous. L'inconvénient, c'est que vous ne pourrez pas voir l'adresse mail qui est utilisée. Vous aurez le début, la fin, mais c'est tout. Alors, si vous savez qui c'est, ça va être très simple, vous faites demande d'accès. Soyez pas très loin de la personne qui gère l'adresse mail ou vous de cette adresse mail, si vous avez oublié vos codes. Et dans ce cas-là, on va vous donner un code à 5 chiffres, valable quelques heures. Vous le renseignez, vous reprenez la main. Là, vous avez repris la main sur votre fiche Google My Business et vous allez aller pouvoir dans la partie administration Google My Business. En un, ça va être d'aller compléter les informations de la société. Donc on voit, on en a plusieurs. Donc le nom, tout simplement, de la société. L'adresse, on l'a vu, tout repose sur l'adresse. Vous renseignez votre adresse. Si par malheur, l'adresse est celle du voisin, enfin en tout cas le curseur est sur le curseur du voisin, vous pouvez cliquer sur le curseur, vous voyez, le déplacer où vous voulez, pour pouvoir le mettre vraiment où vous êtes situé. Donc n'hésitez pas, hein, si vous vous rendez compte que ce n'est pas au bon endroit, de faire la modif de cette façon-là. Ensuite, bah, ça va être d'aller indiquer vos zones desservies. Vous pouvez mettre un pays,
une région, un département, des communes. Alors, il n'y a pas la zone 30 km autour de telle commune. C'est dommage. Donc, si vous êtes sur 30 km autour de votre entreprise, ça va être un peu fastidieux, mais il va falloir renseigner toutes les communes. Mais si vous êtes ça, vous allez être nickel sur votre zone de chalandise. Voilà. Sinon, vous mettez le département et puis après, vous verrez comment ça réagit. Ensuite, ça va être de bien mettre, je vais commencer par les catégories. Catégorie 1, catégorie principale. Et vous pouvez mettre jusqu'à 9 catégories. Je reviendrai dessus après, pourquoi c'est important, mais mettez bien à jour vos catégories. Jusqu'à 10 catégories, une principale, 9 secondaires. Ensuite, mettez à jour vos horaires. Hyper important, quand est-ce qu'on peut vous joindre. Si vous avez un point de vente ou un numéro de téléphone où c'est plus facile de joindre ou de prendre des infos, indiquez bien les horaires où vous serez le plus facilement joignable parce qu'un client, un prospect qui se déplace, je vais prendre le cas extrême, il se déplace, c'était fermé alors que sur Google, c'était écrit que c'était ouvert. Il n'y a rien de pire. Je vous garantis, globalement, il ne va pas vous rappeler si c'est un prospect. Et deuxième chose importante, en ayant repris la main sur votre Google My Business, je reviens ici. Ici, n'importe qui peut faire des suggestions de modification. Modifier le nom ou d'autres infos, horaire, adresse, numéro de téléphone, voire dire que le lieu est fermé. Si plusieurs internautes font ça et que vous n'avez pas la main sur votre Google My Business, Google va considérer qu'il n'a pas de réponse du propriétaire. Il va dire l'internaute a raison et il va faire la modif. Donc vraiment, prenez la main de votre fiche, c'est hyper important. Numéro de téléphone, bon là c'est un nom court, numéro site web. Si vous avez sur votre site web une demande, un formulaire de contact, n'hésitez pas à le mettre pour prendre les rendez-vous. Et puis, un descriptif. Voilà. Ça, déjà, quand vous avez fait ça, franchement, vous avez fait un bon boulot. Et le petit plus, ajoutez quelques photos. Photos de couverture et de logo sera les premières qui apparaîtront. Et si vous voyez bien ici, vous pouvez mettre des photos si vous avez des chantiers réalisés en intérieur ou si vous avez un magasin. Pour ceux qui auraient un showroom, voilà, je vous invite à le mettre. Photo de l'extérieur, pareil, si vous avez un showroom, mettez la photo de l'extérieur, le particulier pourra peut-être mieux voir que sur la photo qu'a pris la voiture Google quand elle est passée dans votre rue, c'était peut-être il y a 3-4 ans et ça a peut-être changé. Mais aussi quand vous faites des travaux de façade ou d'extérieur, n'hésitez pas à mettre les photos. Voilà. Une fois que vous avez fait tout ça, je reviens sur ma présentation. Franchement, chapeau, vous êtes bien. Je pense que vous aurez fait un gros job et vous aurez fait quelque chose de complet. Si vous voulez aller plus loin, moi, le conseil que je peux vous donner pour que votre fiche soit la plus pertinente possible, c'est derrière, si vous êtes présent sur d'autres sites, un annuaire, page jaune par exemple, pour ceux qui travaillent avec nous, Eldo Travaux, vous avez une page dédiée qui vous est dédiée pour les avis de vos clients. Mais ce que je vous invite à faire, peu importe ce que vous avez déjà en place, mais si vous avez des choses comme ça en place, c'est d'aller uniformiser les infos de votre Google My Business sur ces sites-là. Il y en a, allez, on va dire 25 aujourd'hui, Google va juger pertinent. Bon, malheureusement, pour Eldo Travaux, ce n'est pas encore le cas, mais ça fait partie des sites quand même qui sont analysés, hein, parce qu'on fait partie des 120 000 milliards de pages indexées. Mais c'est important, si vous êtes présent ailleurs, d'aller uniformiser les infos. Mettez bien le même nom, même numéro de téléphone, site web et adresse postale et description si possible. Et là, vous avez fait un bon boulot. Et si vous n'êtes pas présent et que vous voulez prendre le temps de le faire, allez-y, mettez à jour votre fiche. Créez votre fiche pour les sites où vous n'êtes pas présent. Ça ne sera que du plus pour améliorer le référencement en local pour vous. Ensuite, les photos. J'en ai parlé, je suis sûr. Alors, réagissez dans le chat. Prenez votre téléphone. Si vous l'avez dans les mains et que vous n'êtes pas connecté sur votre téléphone pour suivre le webinar, prenez votre téléphone, allez dans votre photothèque et dites à la louche combien vous avez de photos de chantier. Moi, je suis sûr que vous en avez plus d'une dizaine, que c'est plusieurs dizaines. Pourquoi je vous dis ça? C'est qu'aujourd'hui, Google se rend compte que vous avez globalement 7 fois plus de chances de ressortir sur des recherches Google si vous avez plus de 100 photos que si vous en aviez 10 seulement. Alors, peut-être que certaines ne sont pas très jolies, c'est peut-être le chantier en cours, c'est peut-être le chantier avant, mais c'est pas grave, l'internaute n'est pas dupe, il sait comment ça se passe les chantiers. Donc, allez-y, mettez les photos,
Vous pouvez en sélectionner en favoris, en couverture, en logo. Donc celles-ci, ce seront les premières qui apparaîtront, mais mettez les photos. Allez-y, faites-le. Alors, combien vous en avez? Alors, je ne vois pas le chat, donc je ne sais pas si certains d'entre vous ont mis la réponse. Combien vous avez de photos de chantier ou qui représentent votre entreprise ou l'équipe, un café, un repas de Noël, une photo avant de partir sur un chantier. Toutes ces photos comptent. Troisième point important, pourquoi répondre aux avis de vos clients? La première chose déjà, ça concerne vos clients. C'est que vous allez valoriser votre client. Il a pris le temps de vous donner un avis, de dire ce qu'il pensait de vous. Bah, remerciez-le. Il va se sentir valorisé, puisqu'il va recevoir une notification comme quoi vous avez répondu. En plus, on l'a vu, bah, cet avis, il va vous permettre de toucher une audience très large. Pas que votre client qui a déposé l'avis, mais tous les autres prospects, qui viendraient voir cet avis-là, voire d'anciens clients, que ça va peut-être inciter à déposer un avis. Donc profitez-en pour toucher une large audience. Et surtout, vous allez pouvoir passer des messages clés. Alors c'est quoi un message clé? Déjà, typiquement, si votre client, par exemple, il l'a déposé quelques mois après votre intervention, parce que certains ne le font pas aussitôt, n'hésitez pas, si par exemple il a fait que le salon et la cuisine, par exemple, si vous savez qu'il reste les chambres à faire, n'hésitez pas à lui dire que vous vous tenez dispo pour étudier son projet de chambre parce qu'il vous en avait déjà parlé. Mais utilisez aussi les messages clés pour indiquer que ce n'est pas parce que vous êtes basé à 30 km d'une grosse ville que vous n'intervenez pas sur cette grosse ville. Prendre le cas de Nantes, moi que je connais bien, vous avez Ancenis, par exemple, qui a une quarantaine de kilomètres de Nantes. Beaucoup d'entreprises interviennent notamment à l'est de Nantes. En banlieue nantaise, bah, c'est un moyen aussi d'indiquer dans votre réponse si l'internaute n'est pas localisé et qu'il l'a pas mis dans son avis, de mettre que vous aviez été ravi d'intervenir sur Nantes, que vous venez régulièrement. Voilà, ça permet déjà de rassurer les prospects qui verraient, bah ok, vous êtes un peu plus loin, mais vous intervenez régulièrement ici, donc ça me rassure. Et surtout, le quatrième point, c'est qu'en plus en faisant ça, c'est que vous allez améliorer votre référencement aux yeux de Google. Le SEO, qu'il soit local principalement, mais aussi naturel, parce que Google va voir que vous intervenez à Nantes, donc ça va être pertinent pour lui de vous faire sortir quand il y a des recherches sur Nantes. Mais par exemple, votre métier principal, c'est peut-être la peinture, mais vous faites aussi des revêtements de sol en activité secondaire. Bah voilà, n'hésitez pas à le mettre dans votre réponse que vous êtes aussi intervenu pour ça, ou que vous vous tenez à la disposition du client pour répondre à son besoin sur ce type de travaux, ça permettra d'améliorer votre référencement. Les catégories, j'en ai parlé un peu. Pourquoi bien mettre le maximum de catégories? Alors, point juste important, on ne pourra pas modifier les catégories qu'a mis Google. Donc, il faut arriver à trouver en fonction de son activité et de ses activités quelles sont les catégories les plus pertinentes. Si vous avez besoin, on pourra en reparler ensemble. N'hésitez pas à nous solliciter. On a commencé à faire un regroupement de catégories Google versus activités dans le bâtiment pour vous aider. Mais je prends l'exemple qui n'a rien à voir avec le bâtiment, mais Darty. Darty, connu principalement dans la TV et le Wi-Fi, mais fait aussi de la cuisine et du lit. Et aujourd'hui, en ayant bien optimisé ses fiches Google My Business, bah, typiquement, quand on tape cuisiniste à Pithiviers, sans citer Darty, Darty va apparaître dans les premiers résultats. Donc c'est pour ça que c'est important de mettre les catégories secondaires. Si vous ne les mettez pas, vous n'avez aucune chance d'apparaître. Si vous les mettez, et en faisant ce qu'on a dit un peu avant, bah, vous avez des chances d'apparaître et surtout d'être le plus haut possible. Donc exploitez cette possibilité, mettez vos catégories. Vous pouvez en mettre jusqu'à 10 en tout, une principale et 9 secondaires. Allez-y. Enfin, dernier conseil, Google vous permet de créer ce qu'on appelle des Google Posts. Alors, pour ceux qui utilisent Facebook, c'est comme un post Facebook, c'est une info que vous donnez qui va rester de 7 jours à quelques heures éventuellement. C'est quoi un Google Post? C'est une annonce pour une offre spéciale. Ça peut être simplement une photo de l'équipe le matin ou avant la reprise du boulot après cette période de confinement, que vous êtes prêt, que vous avez reçu les masques par exemple. Bon, après, dans votre métier, peut-être que certains d'entre vous en avaient toujours des masques ou des protections. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de communiquer,
que ce soit sur une offre promotionnelle, que ce soit sur votre participation à un salon, que ce soit sur la vie de l'entreprise, que ce soit sur une porte ouverte d'un de vos partenaires magasins. Voilà, n'hésitez pas à communiquer, ça fait du contenu régulièrement, Google va aimer ça. Et puis pareil, vous pouvez indiquer précisément vos produits. Alors, ce n'est pas forcément des produits que vous vendez en ligne, ça peut être aussi des produits d'une de vos activités. Je vais prendre un exemple d'une entreprise partenaire à nous qui utilise pas mal la notion de produit. Donc là, je suis sur ISOFAS à Bordeaux. Donc, vous voyez ici, il a mis les produits. Il n'y a pas de prix. On n'est pas là sur quelque chose de produit, d'une vente en ligne. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Par contre, il a indiqué qu'il faisait bien du ravalement de façade. Et surtout, quand on va cliquer sur le lien, sur son site, il a fait une page dédiée au ravalement de façade. Donc, ça donne des infos sur ce qu'il fait précisément. Alors, si votre site n'est pas structuré comme ça, s'il est structuré comme ça, je vous invite, n'hésitez pas à l'utiliser. Ça fait du lien en plus, ça fait du contenu pour Google. Et sinon, si ce n'est pas structuré comme ça, vous avez un produit phare d'un fabricant, par exemple, prendre du Nicalo, vous fournissez principalement en fût Nicalo, n'hésitez pas à l'indiquer et à renvoyer dans ce cas-là vers la page Nicalo, ça va rassurer votre client et puis Google surtout va aimer le contenu que vous postez parce que il y a du lien, tout simplement. Alors, je pense que oui, beaucoup d'entre vous vont me dire « Ok, c'est sympa ce que tu nous as montré, mais c'est du temps. » Alors, effectivement. Alors déjà, il faut savoir, avant de prendre du temps à faire quelque chose, Alex va vous envoyer sur votre écran, là, dans la foulée, un formulaire. On peut vous proposer gratuitement un audit de référencement local pour vous indiquer où vous êtes situé et quels sont les axes d'amélioration précis sur votre fiche à vous. Je vous laisse quelques secondes pour recevoir le lien et cliquer dessus et juste remplir les infos pour ceux qui sont intéressés. Donc l'idée c'est simple, hein. On regarde votre Google My Business, comment il est, on regarde trois points précis, comment il ressort, le référencement et le contenu et les avis. Et derrière on vous donne un plan d'action qu'on vous présente. Sur un appel d'une demi-heure après ce webinaire. Donc, allez-y, inscrivez-vous pour ceux qui sont intéressés. Ça vous permettra de voir où vous en êtes et de voir les plans d'action pour gagner du temps plutôt que vous regardiez le webinaire en replay pour essayer de reprendre ce que j'ai dit. Je suis peut-être passé un peu vite sur certains sujets. Donc, voilà. Mais ce que je peux vous assurer, c'est que si vous prenez ce temps-là, vous aurez un meilleur référencement. Qui dit meilleur référencement, on voit le nombre de recherches qui ne cessent de progresser sur Google. Ça va forcément vous apporter du chiffre d'affaires complémentaire, supplémentaire. Donc, utilisez-le. Et si vraiment vous ne voulez pas prendre le temps, vous n'avez pas le temps de le faire ou c'est un sujet qui ne vous intéresse pas, vous avez le droit, mais que vous trouvez ça pertinent d'être présent, sachez qu'on peut vous proposer un service pour vous permettre de le gérer pour vous. On le gère pour vous. Ça vous permet déjà d'une, on met à jour toutes les infos dont on a parlé tout à l'heure dans l'interface Eldo Travaux. Et surtout, derrière ces infos-là, plutôt que d'aller les recopier sur les autres sites, on va les diffuser directement sur une quinzaine de sites que vous voyez sur la fiche, sur la présentation. Donc voilà, on s'en occupe pour vous, on met les infos, on les diffuse en spontané sur l'ensemble de ces sites-là. La deuxième chose, vous allez pouvoir suivre en temps réel vous-même. Où vous en êtes, où est-ce que vous êtes bien présent. Et je ne sais pas si vous voyez ici, il y a un petit œil, ça vous permet d'aller voir le lien de votre page chez Google, chez Foursquare ou chez d'autres sites. Ce lien-là, ça peut être intéressant derrière d'aller le mettre après sur votre site web à vous, alors vous, votre agence, si vous passez par quelqu'un d'autre, pour améliorer le référencement aussi de votre site. D'avoir des liens, ça va maximiser. Et vous pourrez suivre un petit peu votre fiche, combien de recherches elle a touché, combien il y a eu de vues sur votre fiche, combien d'actions ont été menées, visites sur le site web, appels téléphoniques, demandes d'itinéraire. Et pour ceux qui travaillent avec nous sur les avis clients, on s'occupe pour vous d'aller récupérer les photos qu'on récupère sur vos avis et on va les mettre sur votre Google My Business. Voilà, c'était juste ça que je voulais vous présenter. Alors après, il y a d'autres partenaires, d'autres sociétés qui peuvent vous proposer ce genre de service. Voilà, si vous n'avez pas le temps en fonction du budget, n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on puisse voir s'il y a quelque chose à mettre en place chez vous et comment le faire.
J'arrive à la fin de cette présentation. Tout d'abord, merci. Alors d'habitude, quand je le fais en vrai, je vois vos têtes, donc c'est plus facile de savoir ce que vous en avez pensé, vos réactions en temps réel. Je vais prendre le temps après de répondre aux questions s'il y a des questions sur les 10 minutes là qui nous restent, pardon. Donc pour rappel, point important, il y a l'audit, vous avez reçu le lien et vous le recevrez après avec le replay aussi. Si vous souhaitez bénéficier de cet audit offert pour savoir où vous en êtes, après vous pourrez le faire par vous-même. Moi, ce que je vous invite vraiment, soit de prendre le temps, vous faites appel à quelqu'un pour gérer ce Google My Business, ça va vraiment accentuer votre activité. Vous recevrez ensuite le replay du webinaire dès qu'on aura terminé. Fin mai, on souhaite organiser un webinaire sur les réseaux sociaux, donc je vous invite à aller dans la partie sondage pour nous dire quel est le jour qui vous arrange et l'horaire pour avoir le maximum de monde. L'objectif, c'est de vous dire comment simplement vous pouvez utiliser les réseaux sociaux pour augmenter votre activité, développer votre activité. Vous verrez, c'est super intéressant. Et de la même façon que Google My Business, on fera deux parties, une partie gratuite qui demande du temps et la partie payante de Facebook, comment paramétrer une campagne, comment ça marche. Dernière chose que je vais vous demander avant de passer aux questions, Alexandre va vous renvoyer un formulaire de satisfaction. Étant donné que je ne peux pas vous voir et savoir ce que vous en avez pensé en spontané, dites-nous ce que vous en avez pensé. Ça vous prend franchement 30 secondes. C'est hyper important pour nous. Ça nous permettra d'améliorer nos prochains webinars, d'avoir vos retours. Encore merci à vous. Je tiens aussi à remercier Unicalo de nous avoir permis d'organiser ce webinaire tous ensemble. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut essayer de toucher l'ensemble des peintres de France. Donc merci Unicalo de nous permettre ça. Merci aussi à Unicalo parce que c'est vraiment quelque chose d'important pour eux d'essayer de trouver d'autres moyens de communication et d'essayer d'innover dans leur secteur. Donc j'espère que ça vous a appris des choses, conforté dans l'idée d'utiliser Google. Et je vous propose maintenant de passer à la réponse aux questions. Le temps que je coupe mon écran, Jennifer, si tu veux rajouter quelque chose au nom d'Unicalo, n'hésite pas. Ouais, non, ravie d'avoir pu proposer ce webinaire. Et surtout, n'hésitez pas à répondre au sondage pour le prochain, puisqu'il sera d'autant plus intéressant. On a déjà eu des commentaires disant que ça les a beaucoup intéressés, en tout cas celui-ci. Donc, tu as répondu à pas mal de questions. On a réussi à répondre aussi en même temps aux nombreuses questions qui étaient posées. En tout cas, c'est un sujet vraiment important. Visibilité gratuite, surtout, il faut le rappeler. Et, tout à fait. Et voilà, après, il y en a certains qui disaient qu'ils avaient 500 photos, 100 photos, certains que 10. Après, voilà, il faut juste penser sur le chantier à prendre la photo avant-après, comme ça au moins on a un souvenir et puis ça permet de mettre à jour toutes ces plateformes. Et puis par la suite, sur les réseaux sociaux, de pouvoir partager ces chantiers et d'avoir des commentaires positifs, parfois négatifs, mais surtout positifs normalement dans l'ensemble. Voilà. Et n'hésitez pas, ça aussi, ça peut être des sujets que, si ça vous intéresse, la réputation en ligne, comment la gérer. Comment la traiter, pourquoi ne pas avoir peur de ces fameux avis négatifs à partir du moment où on l'utilise un peu. Voilà, ça aussi, ça peut faire partie des sujets pour des prochains webinars. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous s'il y a des sujets qui vous intéressent, sur lesquels on peut y répondre. Ça sera avec grand plaisir. Il reste quelques minutes. Donc, est-ce que certains d'entre vous ont d'autres questions, tout simplement? On peut y répondre plus précisément. Là, je balaye en même temps les questions qui ont été posées. Je vois que la majorité ont été répondues. Merci à Alex. Même si on t'a pas entendu, c'est cool. Je vois que toutes les réponses sont mises. Hop. Effectivement, je vois Corentin qui précise quelque chose dans le chat. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, point important, ou pour ceux qui se poseraient la question, dois-je demander à mon client une autorisation de publication de ses photos? Première réponse, oui, c'est important, d'un point de vue de la loi déjà. C'est la première chose. Si vous voulez gagner du temps, ce que je vous conseille de faire, ce sera beaucoup plus simple comme ça.
plutôt que d'aller demander un par un, quand à un moment donné vous avez pris des photos et que vous la trouvez sympa et que vous dites ça serait bien que je la mette sur mon site, sur ma page Google My Business, ajoutez la mention dans vos conditions générales de vente que si vous prenez des photos, le client autorise la signature et bien la signature. Autorise, avec sa signature, il autorise la publication des photos sur les différents supports que vous utilisez. Et vous pouvez rajouter une mention, bien évidemment, s'il ne souhaite pas la diffuser, qu'il peut vous le préciser. Mais ce sera beaucoup plus simple à gérer pour vous que de retourner voir chacun de vos clients individuellement si ce n'est pas présent dans vos conditions générales de vente pour leur demander l'autorisation de publication. Faites-le par défaut dans vos conditions générales de vente, ce sera plus simple. Et puis, si quelqu'un... sa photo, ça ne lui plaît pas qu'elle soit présente sur un flyer que vous avez fait sur votre site web ou sur votre page Facebook ou sur votre Google My Business. Ça sera tout aussi rapide pour vous de l'enlever si c'est vous qui l'avez mis. S'il vous le demande, vous continuerez à le satisfaire et puis vous êtes protégé d'un point de vue de la loi de l'avoir mis dans vos conditions générales de vente, tout simplement. Et après, sur vos pages aussi Google My Business, n'hésitez pas, même sur vos devis, ou à la fin, quand vous remerciez votre client, enfin voilà, quand il échange le chèque ou le paiement, on va dire, de lui demander de laisser un avis sur votre compte GMB, du coup. Voilà, de laisser un avis sur vos pages. Plus il y a d'avis, plus vous êtes vu. Et en plus, très important, répondre aux avis, qu'ils soient positifs ou négatifs, hein, comme l'a dit Antoine pendant le webinaire. Voilà. Exactement. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je crois que j'ai pu encore une fois vous remercier à tous. Merci de votre attention. Je n'ai pas eu trop de bruit dans la salle, donc c'était cool. Plus sérieusement, vraiment merci de votre participation. Vous recevrez le replay. Si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à nous solliciter. Je vous remets dans le chat pour ceux qui le souhaiteraient mes coordonnées. Voilà, si vous avez une question par rapport à ces sujets, n'hésitez pas. Vous trouvez toutes les infos ici. Et surtout, encore merci Jennifer pour l'organisation de ce webinaire et la communication auprès des magasins et de vos clients. Merci à tous. Merci Alex pour ton soutien sur la réponse aux questions. Ça a permis de répondre en spontané à tout le monde. Je regarde une dernière fois le sondage. On a une dizaine de réponses. Si les quelques-uns qui sont encore connectés souhaitent départager l'horaire, par exemple, parce que pour l'instant, c'est 14-18 et après 18 qui ont le même nombre de réponses. Ça a l'air d'être le mardi, le jour le mieux, par contre. Donc, n'hésitez pas. Allez en haut à droite sur le sondage. Mettez votre avis. Ça nous permettra d'essayer de toucher le maximum de personnes. Merci à tous. Je vais terminer donc ce webinaire. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, bonne fin de semaine également. On n'est qu'en début de semaine, donc il y a encore pas mal de jours. Bon courage à tous et surtout, à très bientôt. Bye bye.